Eh bien, schématiquement, on peut dire qu'il y a deux grandes catégories. Il y a d'abord les écrans minéraux. Les écrans minéraux, ce sont des microparticules qui vont réfléchir le rayonnement solaire. Ce sont des cristaux minuscules qui sont apposés à la surface de la peau à travers la crème, donc, et ces cristaux auront pour seule fonction d'arrêter de manière physique le rayonnement UV et de le réfléchir. L'avantage, c'est très neutre. L'inconvénient, c'est assez visible et quelquefois ça donne des textures qui sont un petit peu blanches. L'autre catégorie, plus exactement les deux autres catégories, ce sont les écrans organiques et les écrans chimiques. Eux agissent essentiellement en absorbant l'énergie du rayonnement solaire. L'inconvénient, c'est que ce sont des produits chimiques et il peut y avoir une petite frange de population qui les tolère mal. Le grand avantage, par contre, c'est qu'ils sont extrêmement cosmétiques. Et on ne voit quasiment pas ces produits une fois qu'ils ont été appliqués. Aujourd'hui, on peut affirmer que les tests qui sont faits pour ces différents produits rendent ces deux familles de produits très sûrs et très utilisables dans toutes les indications.